à ma manière, tout en disant un mot à un des responsables du RPZ Arc-en-Ciel, le responsable des jeunes, Sidiki Touré. Je vais commencer par lui parce que je ne le connais pas. Respect à toi. Diaby, Diaby, comment vas-tu? Fumba, bonsoir mon frère de sang. Je ne peux pas quantifier ta responsabilité ou bien ta négligence ou bien ta complicité. Permettez-moi de m'adresser au secrétaire général de la jeunesse du RPZ Arc-en-Ciel. Parce qu'il s'agit d'une personne de la jeunesse qui est en train de se foutre du parti. Longtemps du parti, lui étant le secrétaire général de la jeunesse du RPG, il n'a pas réagi. Hein? Nos grands responsables, c'est-à-dire nos supérieurs, c'est-à-dire le papa Salomé, le grand frère Komara, et puis les Kourouma et autres, les papas, les tontons là, ont pris des dispositions par rapport à un vaurien, à un bonarien, qui se dit inspecteur général du RPG. Et en aucun cas, ce poste-là ne se trouve au sein du RPG. En tout cas, à ma connaissance, j'ai bien fait de demander. J'ai pris tout mon temps, j'ai demandé, je me suis renseigné. Est-ce que ce poste-là existe? On me dit non. Élu Sidiki Touré, Mansa, respect à toi, Mansa Sekouba. Élu Sidiki Touré, c'est le secrétaire général de la jeunesse. Il n'a rien fait dans ça. Et jusque-là, c'est eux qui commentent, c'est eux qui postent, c'est eux qui partagent les conneries de ce monsieur-là qu'on appelle Saïdou Touré. Je l'avais dit, vous savez, j'aime beaucoup les bonnes manières. Moi, je ne connais pas la justice, comment la justice fonctionne. Je vous ai dit ça, que je n'ai aucune notion judiciaire. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mon frère Moussa Dozonike. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais le bon connaisseur, ceux qui connaissent un peu la justice m'ont dit, il faut d'abord que le parti saisisse la justice. Mais comment le faire? Il faut d'abord démontrer, un, que le poste-là n'existe pas. Troisièmement, pour dire, laissez le gars d'abord exercer beaucoup de conneries afin d'avoir des preuves avec lesquelles on peut le créer des problèmes. En tout cas, il peut faire face à la justice. Et nous avons entendu, il a fait trop de posts, il a fait trop de commentaires, il a fait tellement d'actions négatives à l'encontre du parti. Oui, j'ai aimé le poste d'un frère qui dit qu'il roule pour le Seigneur. Oui, vous savez, je ne dirais pas que c'est Doumbouya. Mais je dirais que, je dirais qu'il y a certaines personnes proches de Doumbouya qui étaient avec nous au sein du RPG. Et par notre comportement, notre façon de faire, ils ont compris qu'on ne peut pas être dans le RPG et supporter Doumbouya. Donc, automatiquement, ils se sont vus exclus, ils se sont vus neutralisés à travers nos comportements, ils se sont vus totalement exclus du parti parce que vous ne pouvez pas être avec le CNRD et assister aux réunions hebdomadaires. Oui, ils sont surpris de voir que le RPG a recommencé les réunions hebdomadaires. Donc, il ne peut pas partir là-bas. Il ne peut pas se présenter, sachant très bien qu'il y a certains responsables, des vrais jeunes responsables du RPG, des vrais tontons du RPG là, connaissent bien les activités nocturnes auprès des responsables du CNRD. Donc, ce sont ces anciens, moi je les appelle les anciens RPGistes, hein. Ce sont ces anciens RPGistes là, aujourd'hui, qui partagent le poste des conneries de Saïdou Touré. Ce sont ces responsables du RPG qui encouragent cet impoli, ce mal éduqué, à se foutre de nous. Et puis je les vois poster ces photos, ces anciennes photos, autant du poste à Fakone, où il y a les militaires derrière lui. Je vois les mêmes personnes du RPG partager les photos du monsieur, où il est au téléphone comme ça. Ce sont des anciennes photos, autant du poste à Fakone. Mais actuellement là, est-ce que vous voyez les bérets derrière lui? On fait croire aux gens qu'aujourd'hui il est gardé, il est sécurisé, il est surveillé, n'importe quoi. La principale information, nous avons respecté les règles judiciaires dans notre pays. C'est une coutume au sein du RPZ Arc-en-Ciel. C'est-à-dire que nous sommes respectueux de toutes les règles. Nous avons saisi, nous avons remis une plainte à nos avocats parce que
nous en avons beaucoup. Mais les avocats connus du RPG, qui sont mandatés du RPG là, ont reçu notre plainte. Merci beaucoup. Voilà une précision d'une personne très très intelligente, Fumba Touré, qui dit que les gens n'appartiennent à aucune structure. Moi, Benito, je ne suis pas membre d'une structure du RPG arc-en-ciel. Oui, mais j'appartiens à la cellule de communication extérieure du RPG, si je peux le dire comme ça. Ou bien un activiste, ou bien un communicant du RPG. Mais, moi, Benito, je ne fais pas partie du bureau du RPG. Moi, Benito, je ne fais pas partie du secrétariat de la jeunesse du RPG. Moi, Benito, je n'occupe aucun poste. Donc, je ne peux pas me permettre de dire que je suis inspecteur ou bien je suis directeur de la communication. Moi, voilà l'ancien directeur, là, celui de communication du RPG, Amadou Doumbouya. Ce n'est pas lui le patron du SENAP. Voilà, lui, il était le coordinateur de la cellule de communication du RPG. C'est un poste qui existe. Donc, à travers cette courte vidéo, je dis merci à nos responsables. Merci à tous ces responsables-là, des responsables sérieux, nos papas, nos tontons, qui ont jugé nécessaire parce que ils sont pas, c'est-à-dire, ils se sont inspirés de certains partis politiques, je peux dire, même si ce n'est pas le cas. Mais moi, je me dis que j'ai compris qu'il est temps de porter plainte contre certaines personnes. Maintenant, là, le RPG ne doit pas rester sans porter plainte contre des personnes qui utilisent notre label, le label RPG. Même nous y veillons parce qu'on nous fait comprendre que Doumbouya, c'est la candidate de la Haute-Guinée. Ou bien candidat, je ne sais pas, de Mandeng. Ou bien candidat, je ne sais pas. Ou bien là, c'est la Kouyaté. Moi, je ne sais pas. Mais gare à quelqu'un d'utiliser le label. Notre maman nationale, Doussou Kondé, avait dit devant tout le monde, juste après le coup d'état, que le RPG arc-en-ciel, c'est comme une marque, comme Adidas, comme Nike. Ça dit, c'est une marque déposée, le RPG arc-en-ciel. Donc, on ne peut pas se permettre d'utiliser le RPG, surtout les postes du RPG, comme si réellement le RPG n'était pas structuré. Et nous avons vu des médias, des journalistes qui ne sont pas du RPG, comme le Lincoln, devant le monde entier, il a dit de prendre le RPG au sérieux, que c'est un parti structuré, que s'il y a des partis dans ce pays-là qui sont structurés, lui, à sa connaissance, il n'y a que deux. Il a commencé par le grand parti, le RPG arc-en-ciel, en matière de structure. En ce moment-là, celui qui était là-bas, c'est un jeune Peul, qui a remplacé Aboubakar pendant ses congés, qui était en train de raconter des âneries, que le RPG est au bord de l'explosion. C'est-à-dire, il donnait une tonalité à l'action, comme si le RPG était fini. Voilà des individus, un nouveau journaliste, je ne sais pas comment on l'appelle. Ce jour-là, il voulait. Et directement, Lincoln l'a arrêté et dit non, je vous en prie. Le RPG est un parti structuré. Le RPG est un parti extrêmement structuré. Dans ce pays-là, si vous devez chercher des partis structurés, vous devez commencer par le RPG et l'IFDG. Voilà les deux partis qui sont structurés dans ce pays-là. À sa connaissance, lui, Lincoln. Donc, monsieur le journaliste, depuis ce jour-là, il a laissé le chemin-là parce qu'il a pris un poste de ce petit bandit, ce délinquant, cet impoli. Il avait ça. Ou bien quelqu'un l'a fait parvenir à FIM FM pour semer la zizanie, faire croire aux gens que le RPG est au bord de la mer, c'est-à-dire l'océan Atlantique, et que c'est terminé. Mais depuis que Lincoln l'a recadré, Lincoln l'a remis à sa place, et il s'est calmé et puis s'est ressaisi. Donc, encore une fois, merci à nos responsables du RPG. Moi, je vous dis merci. Et ce que je voulais ajuster pour terminer sur ce point-là, vous ne devez plus attendre un premier poste, un deuxième poste, un troisième poste, des conneries des anciens responsables du RPG. Même s'ils ne sont pas responsables, des anciens membres du RPG arc-en-ciel, il ne faut plus attendre les premiers postes, les deuxièmes postes, des conneries, des réunions au nom du RPG sans réagir. Ne donnez plus le temps. Quand vous commencez à frapper dès le premier coup, là, les gens ils vont réfléchir mille fois avant de venir utiliser le nom du RPG ou bien parler le nom du RPG. Parce que ce petit-là, moi je le dis personnellement,
Mon message est Touré là. Si le RPG ne réagit pas, après le Seigneur de là, le monsieur là, nous allons lui montrer que le RPG est un parti qui appartient à des vrais responsables. Et excusez-moi, je dis haut et fort que je suis fâché, je suis découragé, je suis déçu du secrétaire général de la jeunesse du RPG, Sidiki Touré. Mais c'est Sidiki Touré, je ne vous connais pas. Hein? Mais je suis déçu de vous. Personnellement, je suis déçu de vous. Quand je vois le petit Charles Continuité, des gens comme ça, on se connaît. Quand je vois Kaba le diplomate, c'est un petit à moi, je l'ai enseigné. Je le vois, c'est lui aujourd'hui. Et lui, le petit là, je lui ai déjà dit, mais je ne pense pas s'il m'a bien compris. Mais je ne l'appellerai pas pour lui d'arrêter. Il dit, le RPG a besoin d'une bonne visibilité. Et c'est Mohamed Saïd Touré qui le posta. Voilà des enfants qui se sont battus pour le RPG, qui ont fait le slogan, qui se sont battus pour le post-safa, qui étaient même devant, partout. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens-là. Et toi, Sidiki Touré, c'est des enfants-là qui sont sous tes ordres. Quand je suis rentré dans les profits, quand j'ai vérifié, quand j'ai mené ma petite enquête, on me dit que ce sont tes bons petits. Et tes bons petits-là sont en train de démultiplier, de poster, de partager les photos de mon médecin Touré. Et puis, en bas, allez-y lire, ou bien en haut, allez-y lire que le RPG a besoin de renouveau, le RPG a besoin de sang neuf, le RPG a besoin de ceci et de cela. Toi, tu es le secrétaire administratif, c'est-à-dire que tu es le secrétaire général de la jeunesse du RPG. Moi, je suis dessus de vous, M. Sidiki Touré. Je m'excuse, hein, je ne vous manquerai pas de respect. Pour le moment. Mais si ça continue, si votre silence me dit que vous êtes complice. Jusque-là, vous n'aviez pas réagi. Vous êtes le secrétaire administratif. Je me suis renseigné, j'ai obtenu votre nom. J'ai demandé, est-ce qu'il y a un secrétaire de la jeunesse du RPG? On dit que ça existe. On me dit que ça existe. J'ai dit, alors, qui est le secrétaire général de la jeunesse? C'est comme ça que j'ai obtenu ton nom. Et moi, je t'indexe. Tu es le seul responsable des conneries de ce jeune-là. Je le dis, hein. Tu es le seul responsable. Je ne peux pas mettre ça sur le papa Saloum Cissé, qui ne gère pas la jeunesse. Et nous avons été d'accord dès le départ. C'est lui qui veut aller avec le CNRD. Mais c'est la politique. Malheureusement, le CNRD n'est pas un parti politique. C'est une junte criminelle. Mais c'est lui qui veut aller avec le CNRD. Tu es libre de partir. Mais tu ne peux pas nous envoyer. Ou bien tu ne peux pas être du CNRD et être du RPG. Ou bien non, il y a RPG là. Mais en Watoye, en Karinayereko, nous allons représenter le RPG pour ne pas que les gens occupent ceci, cela. Est-ce que le RPG vous a dit qu'il a besoin d'être représenté auprès du CNRD? Est-ce que le RPG vous a dit qu'il a besoin des indicateurs auprès du CNRD? Non. Le RPG est un bon connaisseur de la politique guinéenne. Le RPG est un parti stable. Le RPG connaît. Quels sont les membres du CNRD? Connaît leurs compétences, leurs qualités. Regardez le pays. À vous de juger s'ils ont une bonne qualité. À vous de juger s'ils sont compétents. Et jusque-là, nous sommes comme ça. Là, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Hein. C'est Jeune Afrique, c'est VOA Afrique, c'est les médias sénégalais, c'est les médias maliens, les médias ivoiriens qui disent qu'on ne fait qu'inaugurer des projets du professeur Alpha Condé. C'est tout, hein. On ne crée rien. Soit aujourd'hui, c'est Tiken Diafakoli qui tire sur le CNRD. Et pourtant, il a été invité par le CNRD. Vous demandez aujourd'hui à Paul Pogba de revenir en Guinée. Il ne va plus revenir. Tiken dit que ce qui se passe à Conakry, Tiken Diafakoli, oui, ce qui se passe en Guinée, c'est un grand recul de la démocratie. Il dit ce qui se passe aujourd'hui, c'est un recul. C'est des grands penseurs hein, dans ce continent-là. Je vais terminer par le coup de feu d'hier. Les gens ont entendu des coups de feu dans les camps militaires au bord des camps. C'est des tirs qui ont pris 25 minutes. Pourquoi je précise le temps? C'est parce que nous aussi, nous sommes comme ça. Ceux qui nous donnent les informations là, ils appellent. Oui, ça a tiré. Je vous ai dit une fois là aussi que ça tire au camp Alpha. Oui, hier, ça a tiré propre. Mais vous,
Vous savez pourquoi ça a tiré. Vous savez pourquoi ces militaires-là ont tiré. Vous savez pourquoi. C'est un avertissement. Même si je ne suis pas avec l'armée guinéenne, parce que je ne suis pas content de l'armée guinéenne. L'armée guinéenne est assise. Quelqu'un qui n'appartient pas à leur corps est venu prendre le pouvoir et puis ils ont accepté de s'associer à ce dernier. Il y a pas, moi, je le dis, ils ont accepté. Parce que rester indifférent à ce qui arrive au pays, c'est que moi, je me dis que tu es complice. Tu acceptes et puis tu valides. Vous savez très bien que ça a tiré très bien. Et nous le savons très bien pourquoi ça a tiré. Comment vas-tu, mon beau Dada? Comment vas-tu? Vous ne pouvez pas prendre des arrêtés des officiers supérieurs qui ont des sous-unités, qui ont des bons petits, qui ont des structures, qui ont des commandes, c'est-à-dire qui étaient aux commandes. Et que les enfants qui sont sous ordre de ces officiers-là restent comme ça. Au moins, moi je comprends ces enfants qui ont tiré. Moi je les comprends. Vous ne pouvez pas prendre mon champion, mon patron, mon chef. Deux ou trois, on était ensemble. Et puis d'un coup comme ça, on m'appelle, on dit qu'on a pris ton commandement. Celui qui te commande. Mais comment tu vas réagir? Étant donné ces propres militaires-là qui ont tiré, ils savent très bien, ils connaissent, ils savent très bien comment les autres fonctionnent. Est-ce que vous comprenez? Ils savent très bien. Respect à toi, mon frère, Barry Tcherno. Big respect à toi, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Moi, vous savez pourquoi je ne vous défends pas, vous les militaires guinéens là? C'est parce que moi, je me dis, et ça dit, je le dis, hein, je devais faire les sciences juridiques, si je savais. Si je savais, parce que oui, trop, c'est tard, oui, en matière de formation. Sinon, franchement, j'ai envie de comprendre juridiquement comment vous condamner parce que vous êtes responsable. Vous, ça dit, vous ne réagissez pas. Ils prennent vos chefs un à un. Merci, peut-être, voilà, lui connaît un peu, en dessous d'où tu connais un peu la justice. On dit le silence devant le crime est une culpabilité. Voilà! Voilà! Parce que moi, je ne comprends pas. Vous attendez qu'on arrête vos chefs et puis vous réagissez. Vous attendez qu'on arrête le commandement et puis vous réagissez. Vous attendez que Idi Amin finisse de vous désarmer et puis vous réagissez. Vous attendez. Non! Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est trop tard. Vous n'avez plus d'armes lourdes. Vous n'avez plus de commandement. Ils ont sectionné tout le commandement. Ils ont mis les gens à l'intérieur. Les plus influents ont été envoyés à la frontière. Tout ce, la garde présente d'Alpha Condé se trouve à la frontière. Aujourd'hui, qui est à Conakry? Personne. Ceux qui sont à Conakry là sont acquis à la cause de Idi Amin. Moi, je ne parle même pas d'Oumbia. À la cause de Idi Amin. Tout ce qu'Idi Amin dit là, c'est ce que les gens l'en font. Regardez son budget. Regardez le budget. Karika, comment vas-tu, mon frère de sang? Non, regardez-le. Merci beaucoup, United States of America. Respect. Regardez le budget. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, quand on lit les chiffres-là, vous aussi acceptez de comprendre qu'est-ce qui se prépare. Idi Amin vient vous lire un budget trois fois depuis le temps du commandement des militaires. S'il vous plaît, regardez le budget de l'armée. Même le temps de l'ancien Conté, un budget n'a jamais été comme ça. Le président l'ancien Conté est un militaire, a été un militaire, un général, un vrai militaire. Mais l'ancien Conté n'a jamais voté un budget comme ça. Hein? Idi Amin est un simple ministre de la Défense. Comment est-ce qu'il peut doubler, tripler? Hein? Comment on peut doubler, tripler un budget militaire? Qu'est-ce qui urge dans ce pays-là? Quand vous faites un coup d'État, quelle devait être votre principale activité? C'est poser tous les points pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est comme ça. C'est tout. Si aujourd'hui le Burkina n'était pas confronté au terrorisme, le Burkina serait vers l'élection aujourd'hui. Mais chez nous, on triple le budget. Donc, franchement, moi je ne pleurerai pas à votre place. Non, frère Gabi, toi-même tu as vu, non? Ceux qui ont suivi, moi je remercie le Tout-Puissant Allah.
ce sont les petits supporters de Doumbouya en première position qui ont réagi négativement. C'est-à-dire les petits supporters, les petits communicants de Doumbouya même, qui ont réagi négativement. Oh non, Menkassia. Ce n'est pas nous, hein. Si nous nous parlons, on dit non, c'est les gens de, c'est les partisans de d'Alpha Condé. J'ai compris, Barry Tchernon. Donc, ce sont ces petits supporters, les petits supporters de Doumbouya là, qui ont réagi parce que les petits supporters savent très bien que l'argent là, c'est, ils savent très bien, beaucoup parmi eux là, sont dans les couloirs des informations de la vie de Idi Amin. Beaucoup sont informés sur la stratégie. Beaucoup sont informés comment Idi Amin fonctionne. Beaucoup sont informés aujourd'hui quel est son objectif. Namadia, merci beaucoup. Beaucoup sont informés aujourd'hui quelle est la stratégie mise sur place par Idi Amin. Donc si ce monsieur va jusqu'à voter, faire voter un budget comme ça, ce n'est pas le petit président du CNT qui dira le contraire, qui viendra lui dire que c'est trop. Quand vous regardez les gens autour du CNT là, est-ce que quelqu'un peut oser dire que ce budget ne passe pas? S'il vous plaît, soyez sérieux. Hein? Soyez sérieux. Donc, ne réagissez pas avant. Ce que vous avez fait hier, là, ce n'est pas normal. Pourquoi vous tirez? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi vous tirez? Pourquoi vous tirez? Ah, avant-hier, vous avez accusé qui? Quand il y a eu les décrets là, vous avez accusé qui? Vous avez dit que c'est Namori qui vous a mis dans ça. Ce n'est pas Namori. Namori, ça fait de cela 15 mois, Namori n'est plus chef d'état-major général de l'armée. N'accusez plus Namori. Dans les autres pays, quand vous prenez le pouvoir avec quelqu'un, il dévie là. Vous le prenez, vous le mettez quelque part, vous continuez sur votre ancien plan. C'est ce que le Burkina a fait. Ibrahima Traoré, c'est ce que lui, il a fait. Ils l'ont aidé à prendre le pouvoir. Quand il a dévié là, ils l'ont pris, ils l'ont mis de côté. C'est ce qu'on appelle « Travaillons ensemble ». Vous voyez? Vous, avec Doumbouya là, vous savez que c'est la mère qui est entre vous. Doumbouya n'a jamais accepté que vous participez. Doumbouya vous a surpris. Donc, étant surpris, je suis d'accord avec vous, vous avez été surpris. C'est la faute du professeur Alpha Condé qui a refusé d'appliquer ce que les renseignements l'ont dit. Mais le destin, c'est la vie. Nous acceptons. Oui, nous acceptons. Sinon, il n'y a pas ce que le renseignement n'a pas dit au président Alpha Condé de le prendre, de l'arriver à la tête des forces spéciales. Aujourd'hui, là, en tout cas, au Koumalabi. Maintenant, l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Arrivé à ce niveau-là, est-ce que c'est Namori maintenant? C'est vous. Ce n'est plus Namori. Voilà maintenant. Vous avez fait deux réunions. La première réunion à Anta. À Anta, vous avez fait une première réunion à Anta. Ceux qui ont fait la réunion à Anta ont été, tous ceux qui étaient chefs là-bas ont été pris. Ceux qui ont fait la réunion à Bessia Kondepouy ont été pris. Voilà, ce sont vos chefs. Aujourd'hui là, vous n'allez, c'est, tant que le CNRD existe là, vous ne verrez plus jamais vos chefs là. C'est terminé. Ils ne seront jamais. Vous savez qui est le patron de la justice militaire? C'est qui? C'est qui? C'est Bala Samoura. Bala Samoura a eu une bourse pour aller au Cameroun. Bala Samoura devait aller au Cameroun. Tout était prêt. Demandez, renseignez pour qu'elle n'est pas partie. Demandez, renseignez-vous pour qu'elle n'est pas partie. Sinon, tout était prêt. Tout. J'ai même fait un direct sur ça. Tous les documents étaient dans le téléphone. Tout a été fait. On dit non, il ne va pas. Le patron de la justice militaire, c'est qui? C'est lui. Qui a arrêté les Alia? C'est lui, Bala Samoura. Alia qui a pris le poste à Alpha Condé, les Bangoura, les Koivogi. Qui les a arrêtés? C'est qui? C'est Bala Samoura. Vos officiers là, vos patrons là, qui ont été arrêtés avant-hier là, qui les a arrêtés? C'est Bala Samoura. Maintenant, vous tirez pourquoi? Pourquoi vous tirez? Pourquoi? Pourquoi vous tirez? Mon grand frère Ilo Ba, un grand communicant de l'IFDG, il avait... C'est lui la première fois, il a été très clair. Il y a Alpha Condé doit revenir, organiser les élections, remettre le pouvoir à son successeur. Parce que ça là, tout le monde le regrette. Depuis ces jours-là, j'ai eu plus de respect pour le frère là. Le frère Iloba. Il a été très clair.
Cela a été une très grosse erreur de fait que les hommes ont applaudi cet individu-là. Donc vous les militaires, là, arrêtez de nous fatiguer. Hey, vous ne voulez pas rectifier l'erreur. Parce qu'à un moment de la vie, là, quand vous constatez, vous remarquez l'erreur, là, vous devez la rectifier. Mais vous, arrêtez de nous fatiguer, arrêtez de tirer. Non, mon frère Maléa, j'ai compris. Oui, frère, j'ai compris. On me dit de vous oublier. Massire, comment vas-tu? Moi, je vous oublie, c'est vrai. Sana Sakaba, comment vas-tu? Je dois vous oublier. Pourquoi? Je le dis, je veux que vous nous foutez la paix. Voilà. C'est-à-dire, vous devez arrêter de tirer. Vous devez arrêter de faire des conneries. Hey, laissez tomber ça, on n'a plus besoin de vos actions. C'est le peuple là, nous allons continuer à motiver le peuple. Parce qu'il n'y a pas... Le peuple est plus fort que l'armée. Le peuple est plus fort que le président. Le peuple est plus fort que tous ces partis politiques-là. Le peuple est le seul patron. C'est à cause de ça qu'on dit. Seul le peuple est détenteur du pouvoir. C'est le peuple qui choisit une personne comme son représentant. C'est à cause de ça que les institutions financières disent que Doumbouya n'est pas un président parce qu'il n'a pas été désigné par quelqu'un. Ah, tu as vu ça, Jabi, non? Voilà. Il n'a pas été désigné par quelqu'un. Si je vois, hélas, c'est Runa qui avait dit qu'il est contre le troisième mandat, que lui-même, en personne, lui-même, hélas, c'est Runa, avait dit à notre papa Touré, Molim Touré, nous avons un crédit envers les Malinké. Lui, la même personne-là, est venu dire devant le monde entier qu'il est contre le troisième mandat. Oui, Alpha Condé a fait son élection, il a été élu. Et lui-même, en personne, il est venu au sacrifice de notre papa, le général Sana Conté. Il a envoyé ses maudits, cet assassin qui a assassiné le Soussou. Il oublie qu'il y a des Soussous qui sont morts le 5 septembre. Il vient dire aux gens, nous devons le supporter, nous devons l'aider. Il dit au petit là, si tu restes derrière moi là, tu vas faire ton temps ici là, il n'y a pas de problème. Nous là, on peut condamner l'armée, on peut oublier l'armée, mais le peuple là, même si le peuple nous fatigue là, mais nous allons continuer à motiver le peuple. Parce qu'un jour là, un beau matin comme ça là, Dieu va donner la force à ce peuple-là de se lever un beau matin. Et ce jour-là, vous, l'armée guinéenne, vous allez comprendre que c'est vous qui devez faire le travail du peuple quand vous voyez que ça ne va pas. Rama, comment vas-tu, assistant? Mais il n'y a pas de problème. Portez-vous très bien. Donc, vraiment merci à nos responsables du RPS d'avoir porté plainte contre ma médecin de Touré. Qui va comprendre que le RPG a une tête, qui va comprendre que le RPG a une grande responsabilité. Nous avons pris ton document là, le document que tu as écrit, plus le statut du RPG. Quand nous avons regardé, c'est-à-dire nous avons pu frapper tout le document du RPG, la structure du RPG là, nous avons pris ça, plus le papier que tu as fait là, et tu as signé au nom du poste d'inspecteur. Ok, Rama Fodem Bari. Dieu merci. Donc, nous avons écrit, c'est-à-dire nous avons pris le document, le statut bas, le règlement bas, la structure du RPG bas, plus ce que tu as écrit là, en tant qu'inspecteur, nous avons tout mis comme ça là. Nous avons remis à nos avocats. C'est très simple. Les avocats vont déposer la plainte le mardi ou le mercredi, plus les documents qui vont accompagner la plainte. Est-ce que vous comprenez? Les gens là vont regarder, ils vont regarder parce que oui, c'est un problème de... Sambala Gyono est frère. Nous m'assurons depuis le Libéria. Donc, nous avons remis aux avocats. Les avocats vont remettre ça le mardi au juge d'instruction. Le juge va voir. C'est très simple. Je ne connais pas la justice. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais quand même, je sais. Tu as signé un nom d'inspecteur général du RPG. Et si on vérifie l'organigramme, on vérifie la structure, la direction ne voit pas le poste, ça, c'est que tu es inculpé. Tu es dedans. Donc, à partir de là, seulement, tu dois aller en prison. Tu vas comprendre. Et nous allons continuer avec tes petits supporters-là. Et moi, j'en veux beaucoup à Sidi Kitouré, le secrétaire général du RPG. Mais il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à rester là-bas, assis, en train de te regarder, ouvrir sa bouche, regarder les yeux en train de commettre des bavures, d'arrêter de déconner sur le RPG. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas pressés. C'est un de là, ça va passer. Donc, merci. Et pour finir, je l'aurais dit encore à l'armée guinéenne, foutez-nous la paix, arrêtez de tirer. Vous comprenez? Arrêtez de tirer. Si vous n'êtes pas des garçons là, vous devez arrêter. Tellement que vous êtes de faux types, vous.
on vous a bloqué vos primes. Depuis tant de l'ancien raconté, l'armée a des primes. Depuis tant de l'ancien raconté, l'armée a tout. Dadis est venu, ça n'a pas changé. Sekouba est venu, il y a les primes. Dadis était là, il y avait les primes. Sekouba est venu, il y avait les primes. Alpha Condé même a augmenté les primes, des avantages. Et voilà, un petit militaire, un légionnaire français vient, il vous coupe tout. Et vous êtes assis, vous ne réagissez pas. Maintenant, c'est pour tirer, pour effrayer le peuple. Il faut arrêter de tirer. Arrêtez de nous fatiguer. Vous comprenez? Arrêtez. Voilà. Arrêtez, hein? Arrêtez. Voilà, arrêtez. Parce que moi, j'en suis sûr, si c'était les militaires au temps de l'ancien Conté, que Doumbouya, après l'ancien Conté, c'est Doumbouya qui avait pris le pouvoir, comme Dadis là, et qui se permet, de couper les vivres là. Je vous le jure. Je ne dis pas les, c'est-à-dire les Toumba, les Pivi, les Alphonse, ça Alphonse. Je cite quelques-uns. Que c'est Doumbouya qui était venu prendre le pouvoir après l'ancien Conté. Et que les Idi Amin se permettent de couper les vivres comme ça. Wallahi, ce lendemain, ils allaient descendre Doumbouya. Clair et net. Mais vous, les petits militaires là, moi je vous dis les petits militaires. Donc arrêtez de fatiguer le peuple. Vous comprenez? On vous a coupé tout. Vous n'avez que votre simple salaire. Et puis vous fatiguez le peuple. Hey, c'est vous, c'est-à-dire avec votre salaire, vous dites que vous êtes bien. Donc mangez votre salaire, foutez-nous la paix. Arrêtez de fatiguer le peuple. Arrêtez de tirer. Vous comprenez? Contentez-vous de votre sort. Idi Amin là, il est devenu milliardaire. Je ne dis pas autre personne, mais Idi Amin. Idi Amin est devenu milliardaire. Idi Amin, il a l'argent aujourd'hui. Aucun membre de sa famille, ses enfants, Idi Amin, ses enfants, aucun membre de ses enfants, aucun ne travaille dans l'armée guinéenne. Aucun. C'est un stratège. Il est très intelligent. Ses enfants sont en France. Ses frères, il a... Personne! Lui, il préfère les servir. Il préfère les servir. La dame Traoré qui est aux États-Unis, là, qui travaille à côté d'elle, là, celle qui gère Idi Amin, là, parce que Idi Amin a trois copines, les vraies copines. Il y a Ba de Pitala, Ba de Pitala, la teint claire là. Plus l'autre là, celle qui est en Allemagne là, qui est rentrée, qui est là-bas. Plus la dame qui est ici là, Traoré, la dame qui est à côté de lui là-bas. Voilà les trois, mais c'est la dame là qui gère Idi Amin. La famille est de l'autre côté, il envoie l'argent, les gens récupèrent. Personne, en cas de problème là, en cas de problème, personne ne va citer un membre de sa famille dedans. C'est comme ça qu'il a fait. Il est très intelligent, il est devenu milliardaire, c'est un gendarme. Vous êtes des militaires, lui il est gendarme, il est devenu milliardaire. Il est venu couper toutes vos primes. Il est parti acheter des tenues militaires, un contrat de combien de milliards. Lui il a obtenu 30% dans le contrat là. Vous êtes assis, vous portez des tenues, il a organisé cet achat là pour avoir son intérêt. Et vous êtes là, vous avez vos grandes gueules ouvertes là, vous le regardez. Lui est en train d'être riche. Il est vers la mort. Il est très proche de la mort. Il va faire quoi avec ces milliards là? C'est pourquoi? C'est pas pour entretenir les femmes fatiguées là. Les femmes fatiguées, des vieilles femmes fatiguées là. Parce que pratiquement même au lit là, il peut rien faire. Quand vous regardez Idi Amin là, il peut faire quoi au lit à une femme? Idi Amin qui est là comme ça, il peut faire quoi à une femme? Une très bonne femme. Je ne dis pas une nonchalante ou bien une femme fatiguée. Je le dis, hein. Donc l'argent qu'il ramasse là, c'est pour faire quoi? C'est pour en faire quoi? Hein? Ils vont envoyer. C'est-à-dire, moi je ne vous comprends pas. Wallahi Oumundoy. C'est lui qui a monté le projet d'achat. Hein? Le projet d'achat de cette tenue militaire. Il a bien calculé. Quand il a monté le projet, mais Doumbouya ne peut pas refuser de valider ça. C'est le mari de sa maman. Donc, c'est validé, c'est budgétisé. Hein? Tout a été budgétisé, wallahi Fatouba. Je te dis, Fatouba, wallahi. Nous, on dit Allah. Tout est. Lui seul, hein, il budgétise, il prépare le nombre de conteneurs, son avantage, son pourcentage. Ils ont doublé que l'argent, ils l'ont donné. Il a enlevé son pourcentage et resté à Conakry. Il a envoyé l'argent pour acheter les tenues là. Vous avez porté les tenues là. Vous avez porté ça combien de jours? Tout le monde se plaint avec les tenues là. La chaleur arrive, non? La chaleur arrive, non? C'est la chaleur qui arrive comme ça, là. Vous allez comprendre. Chacun a eu combien de tenues? Vous aussi, chacun de vous a eu combien de tenues? Hein? Chacun a eu combien de tenues? Avec tout ce bruit-là, les milliards débloqués pour combien de conteneurs? Un vieux clos, ça, regardez sa bouche. Regardez Idi Amin, hein? Regardez-les.
C'est parce que vous ne l'avez pas vu. Hein. Demandez tous ceux qui ont vu Idi Amin, tous ceux qui l'ont côtoyé. Pourquoi il est en train de s'enrichir? Il fait quoi avec tout cet argent-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi avec tout cet argent-là? Regardez ces trois copines-là. Si vous voulez, je vous envoie ces photos. Pour bas, là, vous avez vu sa photo sur Facebook. Mais si vous voulez, je peux vous envoyer pour la dame. Hein? Pitaka, oh, ça fait longtemps. Pitaka, respect à toi, mon champion, Pitaka. Merci. Pitaka, merci, mon frère de sang, Pitaka. Respect à toi. Regardez-les. C'est parce que vous n'avez pas approché Idi Amin. Demandez ce qu'ils ont approché. Approchez Idi Amin, regardez-les. Regardez-les très bien. Si lui, peut, les femmes-là, il a accumulé toutes ces belles femmes. Ça, ce sont les femmes, ce sont ses copines connues. Hein? Ce sont ses copines-là connues. Maintenant, les un coup là sont là-bas. Les un coup là sont là-bas. C'est-à-dire, c'est le seul pays où j'ai vu des militaires qui n'ont pas de cœur. Moi, là, je me prive de ma vie pour des vieux. C'est-à-dire, je fatigue ma famille. Mes enfants ne vont pas à l'école. Ou bien mes enfants vont dans des mauvaises écoles. Ou bien mes enfants vont dans des écoles. Dans des écoles, vraiment, où il y a plus de 200 élèves par classe. Un seul individu qu'on appelle Idi Amin là, tous ses enfants, même ses petits-enfants sont dans des grandes écoles. Les autres ont fini. Hein? Lui, à son âge là. Hein? Personne, parmi vous là, personne n'a un cœur pour dire non, c'est la mort ou rien. Dans les autres pays là, aujourd'hui là, nous allons tous mourir. Ou bien on règle les choses. Mais vous là, non. Dès que vous le voyez, on dirait que c'est un dieu, vous l'avez vu. Et puis, c'est se lever, tirer pour nous fatiguer. Vous devez arrêter. Parce que vous êtes des inconscients. Dans la vie, là, tu dois avoir un cœur. Un militaire doit avoir un cœur pour dire non. Si nos problèmes ne sont pas réglés, regardez la Côte d'Ivoire. Les reliquats de la rébellion, lorsqu'ils ont dit net, il faut que ça soit payé. Qui a payé? Ce n'est pas le roi du Maroc. Ils ont tout payé. Chacun a pris 15 millions de francs CFA. Ils ont tout payé. En Côte d'Ivoire, là, les militaires ont dit, nos reliquats de la guerre, là, nous devons notre argent. Ils ont donné un délai à Alassane Ouattara. Ils sont avec lui, hein, c'est notre patron. Mais il dit, il veut les reliquats. Tu peux dire en Côte d'Ivoire à un militaire que je coupe tes primes? Tu peux le dire au Sénégal, tu peux le dire? Hein? Vous êtes là, là, des peureux comme ça, là. Si ce n'est pas pour tirer, pour effrayer le peuple, là, vous n'avez pas le cœur de franchir même le pont 8 novembre. N'importe quoi. Vous devez arrêter de nous fatiguer. Vous comprenez? Il n'y a pas ce que le Posa Fakho ne vous a pas donné. Vous-même, parmi vous là, beaucoup ont dit que depuis, vous n'avez jamais vu une gestion militaire comme ça. C'est un civil qui vous gère comme ça. Vous avez dit, c'est un civil qui est en train de nous gérer comme ça là. Alpha Condé a augmenté vos primes. Il a augmenté vos salaires. Il a augmenté vos primes. Même le riz, il a tout augmenté. Il vous a mis à l'aise tous les projets militaires. La formation, chaque année-là, partout il y a une formation-là. Le poste Alpha Condé cherchait des contrats de formation. Il l'a dit, il vous a formé. On a eu tellement de promotions de gens gradés à l'étranger. Il y a eu tellement de formations. Tous les jours, c'est vous qui partez pour des formations. Regardez, vous êtes dans les camps là-bas. Chaque matin, vous faites combien de courses? Deux ou trois tours dans le cours là-bas, dans vos différentes cours là-bas. Là. Est-ce que vous partez à l'étranger? Vous avez des contrats pour aller faire des formations? Est-ce que vous avez des contrats pour aller vous former? Vous avez des contrats?